tout se passe bien pour vous. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est vendredi, il est exactement 18h30, je crois. Et là, je vais laver mes cheveux. Bon, là, personnellement, là, en termes de shampoing, j'ai rien, j'ai pas grand chose à vous présenter. Mais, pourquoi je me lave les cheveux là? Parce que demain, je vais me coiffer. Oh, j'ai hâte de vous montrer ça. Demain, j'ai hâte. Donc là, je vais faire un shampoing. En même temps, je vais faire mes soins, etc. Donc, je vais vous montrer tout ça étape par étape. So, les girls, votre copine, elle a des cheveux blancs ici. Et oui, c'est comme ça. Hein. Donc, voilà. Je vais faire une couleur. J'achète toujours, cette coloration-là chez Leclerc. Voilà, donc c'est la marque Palette. Hein. Je me prends pas la tête. Ça coûte quoi? Je crois que ça coûte 4 euros. Ça me va très bien. En plus, ça dure vraiment longtemps. Hein. Ça dure un mois et demi. Et en fait, j'en mets que ici devant puisque j'en ai pas derrière. C'est ça qui est assez étrange. J'ai que des cheveux blancs devant et ça m'énerve. Et je trouve pas ça beau. Franchement, c'est pas joli du tout, du tout, du tout. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais commencer par appliquer ma couleur et je vais laisser poser. Puis ensuite, je vais laver. Les girls, donc là, j'ai fini de mélanger le produit. Donc c'est très simple. Hein. Donc tu mets la couleur à l'intérieur de ce produit-là. Ensuite, tu secoues. Et là, je vais commencer à appliquer ma couleur. Voilà, donc je le fais vraiment plus précisément là devant ici, comme vous avez pu le voir. Hop, je vais vous montrer. Voilà, j'espère que ça... J'espère que c'est bon, je vois pas de produit sortir. Qu'est-ce que c'est pas ça? Attends, mais je reviens. Donc j'ai eu un petit souci, le produit n'a pas voulu sortir, bon c'est pas grave. Je vais le faire comme ça, hop, et là... Je vais appliquer ici, partout, devant, et je vais laisser poser environ, franchement j'ai bien laissé poser quoi, peut-être 20 minutes, comme ça je suis sûre que ça va bien prendre. En termes de shampoing, les girls, c'est pas un truc de ouf de ce que je vais vous proposer. Juste celui-là, il est bien, mais j'en ai plus, c'est le Caracar. Donc ça, je vais l'appliquer à la fin. Mais je vais terminer ces deux shampoings-ci. Donc, donc le shampoing de chez Schwarzkopf et l'après-shampoing. Franchement, ils sont bien, ils sont assez pas mal. Donc je les ai achetés chez Leclerc. Il y avait une promotion et tout, donc j'en ai pris. Et là, il faut vraiment que je le termine. Bon, là, il n'y en a plus beaucoup, ok. Après, est-ce que je vais le racheter? Franchement, je pense pas et tout. Mais en tout cas, ça n'a pas fait... Enfin, ça n'a pas fait quelque chose à mes cheveux. C'est plutôt correct. Et ensuite, je vais venir appliquer un masque. Celui-ci, c'est de chez Garnier. Je l'aime beaucoup. Il est enrichi à la crème de coco et macadamia. Il est bien, voilà, il nourrit bien les cheveux, ça rend les cheveux hyper doux. Et après cela, je vais venir sceller le tout avec mon leave-in de chez Caracar. Celui-là aussi, je l'ai bientôt terminé. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai plus de shampoing. Je n'ai plus rien, il faut que je me rachète une nouvelle gamme de shampoing. En plus, je vous avais parlé dans mon vlog là, que j'attendais en fait... une collaboration avec une marque, et eh bien c'était avec Pomelo, mais malheureusement ça n'a pas donné suite, mais c'est pas grave parce que je voulais vraiment donc vous en faire part, mais bon, ça n'a pas donné suite. Écoutez, c'est pas très grave, je pense que là j'achèterai mes shampoings de chez Broken Oil parce que sincèrement pour moi mes cheveux en tout cas ils aiment bien. Après au niveau de la compo, I don't know, mais mes cheveux ils adhèrent bien. Après Olaplex, je sais pas du tout, je verrai, mais d'autre manière bah, ça je vous en parlerai. So, je laisse un peu poser et ensuite je vais aller laver tout ça. Ça y est, j'ai terminé de laver mes cheveux. Donc là, je vais les sécher. La couleur, elle a bien pris. Trop contente. Voilà, là, on ne voit plus rien. Ah ouais, parce que franchement, moi, je trouve pas ça beau. Hein. Je trouve pas ça élégant. Enfin, je parle de moi, bien entendu. D'avoir des cheveux blancs juste là, en fait, je trouve pas ça très joli. Quoi. Si c'est... sur toute la tête, ok, ça peut faire vraiment un style, mais juste là, là, oh, non, 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 moi j'aime pas, hein, personnellement. Ok, donc là, je vais sécher mes cheveux, ensuite je vais me faire deux couettes, hein. Franchement, je vais pas prendre la tête, puisque demain, bah, je vais me coiffer, et puis, voilà. En plus, j'aime bien, parce qu'ils sont assez doux,
Vous savez, j'ai fait un soin à la kératine au salon de coiffure Tatiana B. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo puisque je vais refaire mon soin kératine et je vous en parlerai. Et sincèrement, ça me facilite vraiment le coiffage, etc. Et là, mes cheveux sont doux, ils sont hyper agréables. C'est voilà. Or qu'avant, ils étaient tellement durs, mais secs et durs. Et là, au top. Good morning guys, voici mes cheveux, voilà il est exactement 10h, je me suis levée à 9h15, j'ai pris ma douche, j'ai pris mon café, voilà je vais aller me coiffer, en plus ça, le temps il passe vite, non mais c'est incroyable comment le temps passe vite, là il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'arrive là-bas à 11h, donc du coup en plus il faut que j'aille mettre de l'essence et je file directement. So, je pense qu'on va se retrouver plutôt le soir parce que je ne sais pas si je vais ramener ma caméra, franchement je ne suis pas certaine. Voilà, mais on se retrouve tout à l'heure. En plus, je sais même pas quoi mettre. Oh, oh my god, je vais juste enfiler un truc vite fait et je m'en vais. À toutes. Hey, I'm back. I'm a new self. Ça y est, je viens de rentrer. Je suis hyper contente. Franchement, est-ce que vous avez vu le résultat? La beauté. C'est pas du tout serré, on croirait, mais franchement, ça me sert pas du tout. Voilà, bon, de base, je voulais pas ce modèle-là, mais bon, c'est pas grave. Mais je suis vraiment, vraiment contente du style, en fait, de la coupe. Voilà, au moins, ça va me faire reposer les cheveux. Comme ça, j'aurais pas besoin de les manipuler, mais je sais que ça va pas durer longtemps parce que là, ce sont. Enfin, il n'y a pas de mèche ici, c'est à la fin qu'on a mis des mèches. Et je sais que quand tu te tresses comme ça, bah, ça a tendance à très très vite s'abîmer. Mais bon, c'est pas très grave. Je suis trop contente. Franchement, pouf, I love it. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, en tout cas, je suis vraiment satisfaite. Je vais vous montrer derrière comment ça fait. Vous avez vu? C'est hyper bien fait. Extrêmement bien travaillé. Alors, ça a duré à peu près... Combien de temps? On a commencé vers midi jusqu'à 17h. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu long. Mais voilà, en tout cas, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas assise comme ça. Longtemps sur une chaise, mais vraiment, ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé. Mais là, pour le coup, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment un petit style de Alicia Keys, you know what I'm saying? I love it. Hey girls, nous sommes dimanche, il est exactement 15h, donc je me suis levée, il était 10h, j'ai fait ma séance de sport, ensuite j'ai mangé, j'ai fait ce que j'avais à faire, douche, etc. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ce masque-là, de chez Sephora, mais il est génial. En fait, je l'ai retrouvé par hasard parce que je ne savais pas que je l'avais, et j'étais en train en fait de ranger tous mes produits skincare, etc. Et je suis tombée sur ça, et je l'ai testé direct, mais il est génial. Il est génial. Votre peau, tout de suite après, elle est rebondie, coup d'éclat, hyper douce. C'est franchement au top. Je le rachèterai, ça c'est sûr. Mais je pense que je l'ai reçu en cadeau dans une commande de chez Sephora. Sinon, par rapport à mes lèvres, écoutez, j'ai très très bien dormi. Mais là, là, ça commence à me gratter. Oh, je savais, je savais, je savais. Quand c'est comme ça... Ouh, ça commence à me gratter un petit peu là, mais non, il faut quand même que je les garde minimum 2 semaines, mais je trouve ça hyper beau, vous avez vu, c'est pas serré, j'ai bien dormi, j'ai pas eu mal à la tête, franchement, nickel, nickel, et ben, puis voilà, bon, moi là, je vais sortir, etc., je dois acheter des produits pour le visage, j'ai plus de crème solaire. Qu'est-ce que je vais acheter aussi? Ouais, crème solaire et quoi encore? Je sais pas, mais en tout cas, là, je vais aller en parapharmacie. Je vais faire un petit tour et puis c'est ça. Bon, les girls, bien écoutez, j'espère que ce mini-vlog vous a plu. Voilà, ben, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, de liker, de partager et de commenter. Et puis je vous laisse et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Ciao, ciao! Take care yourself!